Wesh les gars, c'est Zuki, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est super. Aujourd'hui, nouvel épisode de Pokémon Rouge Feu, Vert Feuille en Random Nuzlocke Speedrun. J'espère que vous allez bien. Donc Pokémon Écarlate. Hein. Aujourd'hui, on est toujours un peu bancal comme d'habitude, mais au calme. Là, combat contre la meuf qui nous... Qui nous... Ouais. Voilà, depuis le début. Voilà, depuis le début. Et voilà, hein, les mecs. J'espère que vous allez bien, parce que ça se passe aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, hein, les mecs. Mettez les 2500 là. Mettez les 2500, les mecs. 2500, c'est un palier, les mecs. C'est un quart des 10 000. C'est une dinguerie. C'est quoi des debunk en gros? Debunk, ça veut dire en mode déboulonner, détruire des arguments. Et genre, moi, j'utilise pour tout un peu. Voilà, c'est ça la vérité. J'utilise pour tout. Donc, forcément. Forcément. Tout détruire, voilà. Tout détruire, voilà. Exactement. Tout détruire, détruire. Je vais t'expliquer les règles une nouvelle fois. Si tu arrives à récupérer les badges de toutes les arènes, tu pourras relever le plus grand défi pour tous les dresseurs et les dresseuses de la région. Maître Menzi, vous avez bien entendu parler de la Ligue Pokémon. Elle se trouve au nord-ouest de Messal Deo. C'est à cet endroit que les meilleurs dresseurs et dresseuses peuvent obtenir leur titre ultime de grand maître. Si tu réunis les 8 badges d'arène, tu pourras passer l'examen de maîtrise. Tu devras alors affronter la plus puissante des examinatrices. Si tu arrives à la vaincre, tu passeras maître. Moi, c'est Team Cynthia. Ouais, Team Cynthia, wesh. Genre Cynthia, on l'a des... Wesh, les mecs, c'est comment, voilà, c'est comment. C'est comment. Ça débug, non, au calme. Et si on faisait un examen blanc pour que tu fasses une idée de ce que ça donne? Allez, on garde. Attends un instant. Tes Pokémon m'ont l'air bien fatigué, Zuki. Ah, elle m'a soigné, là. Pas que mes Pokémon, pas que mes Pokémon. Oh, j'étais tellement pressé que j'en ai oublié mes bonnes manières. Mais grâce à la chef, tout est fin prêt pour un beau combat. Cette fois pour de vrai. En garde, Izuki. Je suis sûr qu'il sera aussi mémorable que pour toi que pour moi. Les mecs, par contre, j'espère que si. Puisque j'ai pas fait la mauvaise arène, j'espère qu'elle a pas des Pokémon de ouf, par contre. Hein. Puisque j'ai fait la mauvaise arène, c'est-à-dire, toi, elle a des Pokémon niveau 50, les frères. Si elle me bat, les gars, je me pardonnerai jamais. Pourquoi tu dis Pokémon alors que c'est Ekarat? C'est pour troll, c'est tout, c'est pour troll. C'est pour troll, je lui dis. C'est pas parce que tu te bats devant la chef qu'il faut paniquer. Relax, Pyrax. C'est bon, le Pokémon niveau 36. C'est bon, c'est bon, c'est bon, tranquillement. Tranquillement. Pokémon niveau 36, les mecs. Bah, choc psy, hein. C'est un examen, on va devoir. Wesh! Je peux pas lire ça en vidéo, les mecs. Je peux pas lire ça en vidéo. Je peux pas lire ça en vidéo, les mecs. Je peux pas lire ça. Les mecs, passent en live parce que ça. Ils disent des dingueries dans le chat. Ils disent des dingueries, ils disent des dingueries. Wesh! Wesh! Allez, les mecs, ils ont aucune limite! Moi, les secondes, on a des mecs qui sont premiers Pokémon assez facilement, là. Dans Slam! Oh! Oh, Blaise! Je t'aime, Blaise! Je t'aime! Voilà, on les voir encore, j'ai mon bocal dans Slam, oui! Avec Alisma, plutôt, wesh! Exactement, les mecs, exactement, exactement. Exactement, exactement. Les mecs, par contre. C'est moi où j'ai encore oublié de mettre les OST, les mecs. J'ai encore enlevé les OST bancalement. Voilà, dinguerie. S'il y avait les modos de Squeezie, ça aurait été chiant de dire. Les mecs, pas de modos dans mes lives. Il n'y a pas de modos. Moi, je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Voilà, je vous laisse faire. Je débunk ici. Il n'y a pas de soucis, les mecs. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, les mecs. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. On va te faire des bons épisodes. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Je vois que les épisodes sont pas trop mal. C'est bon les mecs, Blaze. Envoie un Mucuscule. Type dragon, les mecs, Mucuscule. J'ai pas d'attaque de type. J'ai des attaques de type dragon, mais vas-y, il est niveau 31. Moi, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Ah, ce que ça donne. C'est clair. Ah ouais, non, mais là. Toujours debout, toujours vivant. Ah, mais c'est. Mucuscule, c'est le petit. Ah, mais c'est bancal alors. Voilà, on débunk. On débunk. C'est cette puissance, tu mets pas. Moi, je te débunk, moi. Fais gaffe, là. Maintenant, fais gaffe à toi. Je veux plus te voir avec ta mèche verte trop bancale, là. Pardon. Pardon. Ah ouais, là on s'est fait... Là, il nous a pissé dessus. Mais oui, c'est clair! Mec, là c'est un Mucuscule, c'est un Pokémon bancal, c'est-à-dire que là je vais bien me setup, je vais me setup, je vais me setup. Tu tiens, tu tiens, tu tiens.
Voilà, tranquillement. Je vais bien me setup et comme ça après je sweep sa team. Plus gros Karmash. Même 3 dans ce là même, on a le temps. Comme ça après hop, on sweep sa team super facilement avec Lucario. Eh, il a un Pokémon Bocage, je le laisse. C'est que le problème c'est notre vitesse, c'est tout, mais. Ouais, allez. Attends, on a monté l'attaque, on est d'accord? Du coup, on peut pas faire Aurasphere, parce que Aurasphere c'est. D'accord. Ouais, d'accord. Avec Griffe Acier. Hein. Oh! 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 Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Crit en plus! On se fout de moi là, on se fout de moi clairement. Reconnor, on se fout de moi là clairement. Voilà, hop, on débunk. Envoie Pomote, envoie Pomme. Pomme bancale là, Pomote bancale. Charge, c'est super efficace, on débunk. Bon, oh, voilà, une charge, ça suffit, on débunk facilement. Turbo bancal, turbo brasier, turbo tout ce que vous voulez. On débunk ici. On débunk. Ah ouais, les mecs, aujourd'hui c'est. Ah, les mecs, attendez. Je viens d'y penser, mais aujourd'hui c'est épisode dominant aujourd'hui. Hein. Vous voyez comme il est fort, chef. Je suis en mauvaise posture là, mauvaise posture. Les types feu? Ouais, bah, charge-toi, ça va. Il y a ta régression, c'est maintenant. Non, j'utilise pas ta régression parce que je te débunk. Oh, juste s'il est pas vol. Dis-moi qu'il est juste pas type vol. Attends, il est type feu. Type feu, ça va. Ah, c'est ça l'évolution de Chouchodil! Il est horrible. Ah, c'est Starter Feu, ça! Ah, vas-y, laisse tomber, voilà, laisse tomber. Tranquillement. Ah, hop. On le débunk, on le débunk, son Starter Feu de merde. On le débunk, on le débunk. On le débunk. On le débunk, voilà, tout simplement. On le débunk, on le débunk. C'est l'évolution finale de Chouchodil. En vrai, moi je trouve que ça va. Est-ce que c'est mieux que nous? Moi je pense que c'est égal que nous. Hein. C'est pas autant pire, c'est pas autant. C'est ok. Tu vas bientôt attirer l'attention de tout le monde, j'en suis sûr. T'es une merde, t'es nul. Voilà, t'es nul. Ouais, c'est exactement le beau. Hein? Non, ouais. Eh bien, tu vas combattre ainsi face à. Une race aussi douée que Menzi. T'as loupé un gros fou rire, connard. C'est vrai, connard, il a loupé un gros fou rire. Menzi, elle est nulle en vrai. Ouais, voilà, c'est dit. Voilà. C'est dit. Menzi, c'est une grosse merde. Regarde dans les commentaires. Ah, dans les du live. Même la chef a reconnu ton potentiel. T'es vraiment super fort. Il faut que je me reprenne si je veux pas me laisser distancer. Une première rencontre, je sais que t'avais un truc. Un jour ou l'autre, t'attendras à le remettre, c'est sûr. Et je suis certaine que tout va bien se passer dans quelques années qui te restent. J'en suis aussi convaincu. D'ailleurs, accepte ceci. C'est une sorte d'investissement dans ton avenir. Ouais, investis dans mon avenir. Investis dans notre avenir. Poche CT. Terra Explosion. Cette attaque prend le type du Terra Cristal du Pokémon qui est Terra Cristal. Ah, c'est une attaque qui est forcément stabée. Ah non, c'est quand même cool comme attaque. Hein. C'est forcément stabée, du coup. C'est pas mal. C'est pas trop mal, ça. Une attaque forcément stabée, c'est une dinguerie. Un jour, on fera les combats les plus classes. Ouais, moi je te débunk dans tous les cas. Tu perds. Voilà. Tu perds dans tous les cas. Donc, je vais continuer de m'entraîner pour être à la hauteur. On est enfin en tête à tête. On peut dire qu'elle te soutient comme une véritable amie. Et oui, c'est une amie. Mais toi, tu n'es pas mon amie. Il y a certainement de grands espoirs pour toi. Sur 17 viewers, on est 4 ou 5 à parler. Ouah, les mecs, 17 viewers vraiment? Vous savez que j'ai pas regardé le nombre de viewers depuis le début du live. Genre, j'ai regardé une ou deux fois, mais sinon, j'ai arrêté de regarder en vrai. C'est subjectif, c'est pas très grave. Genre, en mode. Vraiment, non, mais mec, vous mettez l'animation. Genre, en mode, tranquille en vrai. Même 17 viewers, même si personne parle, moi, je continue le live. Hein. Moi, en vrai, je kiffe, moi. Enfin, je kiffe, les mecs. C'est une passion avant tout. C'est pas. Voilà, forcément. C'est pas grave, non, c'est au calme. C'est au calme. Certainement, de grands espoirs pour toi. Non, que dis-je? Il n'est pas question d'espoir. Et déjà sûr de ta valeur. Enfin, il est temps d'y aller. Je vais te raccompagner. Ah, raccompagne-moi là, raccompagne-moi. Les vrais goats, voilà, les vrais goats, les vrais goats, les vrais goats. Quand j'aurai percé, vous serez mes prochains modos. Voilà, c'est annoncé, c'est annoncé. Faudra me le rappeler dans quelques années.
Je vais me rappeler dans quelques années. Bon! Elle m'a raccompagné, elle est partie. Les mecs, alors je suis désolé, mais la meuf, elle est giga stock. Bizarre. Bon, l'équipe. L'équipe. Vous pouvez assister à un nouveau cours. Les mecs, jamais je suis allé faire du cours. Est-ce que à cet épisode, on n'irait pas faire des cours et on fait le dominant après? Elle t'en met une, pas deux. Elle va à la salle. Elle te met KO, elle te met KO, elle te met. Elle va te tenir la main pour que je l'utilise. C'est elle qui ramène l'argent à la maison. La meuf, elle t'a abandonné à la déchetterie. Et la meuf, je te jure, elle fait des combats MMA carrément. Bon, les mecs, est-ce qu'on n'irait pas assister à des cours? Parce que j'ai jamais fait. Et comme ça, on fait le dominant au prochain épisode. Comme ça, petit épisode de 20 minutes. Dans un hôtel, ouais, je comprends ça, dans un hôtel. Bizarre, là. C'est la meuf de Thibaut InShape s'inspire. À l'Académie Orange. Mec, on va aller voir les cours. Comme ça, que là, qu'on finit l'épisode en douceur. Et comme ça, avec la juste après. Là, c'est un petit épisode d'aujourd'hui. Petit épisode de combat contre Menzi et tout. Comme ça, prochain épisode directement, bam, dominant. Parce que là, puisque c'est le dernier dominant, il va forcément y avoir une histoire avec. Peur et tout, du coup forcément, ça va être compliqué. Complication des commentaires de Isuki. Ban par YouTube. Bon, les mecs, c'est quoi les cours? Parce qu'à chaque fois on me disait assister à des cours, je le fais jamais. C'est quoi les cours, les mecs? C'est quoi les cours? Pour suivre des cours. Isuki, quelles sources souhaitez-vous suivre? Bon les mecs, moi je suis désolé, je suis en prépa. Donc on va aller voir les cours de maths. Voilà. Madame Time. Vas-y, cours du soir, on les fait juste après. Qu'on va mettre commencer. Voulez-vous vous rendre sans plus tarder. Les mecs, est-ce qu'on considère que le mucuscule qui a tué mon Karmash, c'est un fail? Est-ce qu'on considère? Ah ouais. Elle, c'est une daronne, elle, c'est pas possible. Enchanté Madame Time, c'est moi qui. Désolé pour l'exemple, mais elle m'oublie de chiffrer les calculs. Bah oui, forcément. Plus ou moins. Ok. Je vois que les avis divergent. Ah, on considère que c'est un fail. On se tape des vrais cours maintenant, c'est dans le jeu. Ah, c'est chaud. Oh, ça, Madame Time! Non, les mecs! Non! Il faut pas abuser. Non, ouais, la vie de bois avec un bâton, non, avec. Non, on touche pas, moi. Ah, les gars, j'ai été baisé dans mes lives. Oh, une grand-mère là. C'est très bien comme ça. Certains apprécient et d'autres moins. Quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas. Je vais tout faire pour vous rendre mon cours. Elle ressemble un peu à la reine d'Angleterre. Bon, mon ref, je pense qu'il y a un peu des limites. Non, il y a un peu des limites quand même. Il y a un peu des limites. Je vais faire quoi que. Je sais pas, hein, ouais. Mais d'ailleurs, connaissez-vous bien votre table des affinités des types? La table des types, c'est ça les mathématiques? Ok. Pourquoi elle m'interroge? Capacité O, capacité type feu. Une capacité O, pistolet à O sur un Pokémon type feu. Comment sont modifiés les dégâts? Ils sont doublés? C'est bien ça, bravo Izuki. Utiliser une capacité dont le type. C'est ça les maths? Elle a oublié pour sa retraite. Les mecs, moi, pour de vrai, premier degré, il faut que je suive ces cours parce que les mecs, ma table de type, je la connais pas. Là, j'en ai besoin pour le Nuzlocke, les mecs. Il y a une capacité dont le type est. Le point faible de votre adversaire, les résultats sont super efficaces et les dégâts sont doublés. Par contre, vous êtes avec une. Ok. Divisé par deux hi, je prends une je ne peux pas infecter ce domaine, ma lèvre, et je combat Pokémon, c'est juste un exemple. Mais d'un autre côté, ça représente des mathématiques plus amusantes, non? Le cours est déjà fini, les mecs? Le cours est déjà fini? Le cours est déjà fini, les mecs? Mais c'est quoi ces cours bancals là? Ils sont payés ces profs là? Ils sont payés réellement? Dis-moi quand même, ils sont payés? Passer sous le bureau. Wesh, non, les frérots. Bon. Donc, mathématiques 2. Non, elle peut l'avoir. Histoire. Elle ressemble à la championne d'un type spectre. Ah bon? C'est. Wesh!
Je peux pas lire ce genre de choses, je peux pas lire ce genre de Valentin, Valentin. Je sais pas comment elle sait que c'est toi qu'elle a interrogé, mais elle a dû fermer Ultra Instinct. Non, c'est juste qu'elle est... Elle doit être un peu endormie. Un peu endormie. Wesh, en sort cette prof? On dirait... Cette fois, je suis désolé, on dirait un personnage que tu peux trouver dans Yu-Gi-Oh, les mecs. Voilà, je le dis comme ça. Tiens, je vois qu'il y a une nouvelle tête. En ça, Mora, Madame Mora, en ça, Madame Mora. Madame Mora, les mecs, vous en pensez quoi? Je compte pour vendre un peu moins ignorant des choses du passé. L'histoire, c'est beau, c'est magnifique. Elle nous montre comme dans un dessin. Mais je m'emporte. Aujourd'hui, on va parler de l'île Mystère de Paldea, sur Paldea, du cratère. Comme vous savez, dans la région se trouve une brèche gigantesque qu'on connaît sous le nom de cratère de Paldea. L'intérieur de cet immense trou s'appelle la zone 0. Et d'après les analyses, sa constitution, il s'est fait coiffer Slifer, dragon du ciel. Est-ce que je l'ai à côté de moi, les mecs? Parce que je l'ai Slifer, mais. Mais attendez, j'ai un deck Yugi dans les mains, mais je sais pas si j'ai un dieu égyptien à l'intérieur. Les mecs, j'ai un Exodia sur moi là. Hop. J'ai un Exodia sur moi là. Ouais, maintenant, ça veut dire que je suis intouchable maintenant. Exodia sur moi, je suis intouchable. Oh, les mecs, Slifer, le dragon du ciel. Slifer, le dragon du ciel, les mecs, on débunk, on débunk. J'appelle. Obélisque le tourmenteur. Voilà, bon, bref. Non. Petite parodie, petit décalage. C'est des strates qui composent et existeraient depuis 1 million d'années. On a d'ailleurs longtemps rajouté quelque chose sur reposer tout au fond. Désolé, t'as mal choisi ton moment pour poser mon regard, Izuki. Question. À ton avis, quelle est cette chose qui t'associe à reposer dans la zone 0 au fond du cratère? Un trésor? Bien joué, c'est exactement ça. T'es plutôt futé, dis donc. Je vais me. Je peux pas continuer, je peux pas continuer le live comme ça, les mecs, je peux pas continuer le live comme ça. Non, Fab, le NNN, Fab, c'est quoi? Les mecs, vous êtes des abonnés, vous êtes des dingues, vous êtes des dingues. Et je vois que t'as préparé le cours, pour être exact, on se rend compte que tout au fond du cratère. Oh non, mais j'essaye de re-être sérieux, les mecs. Katugu, ça date de fou, non, c'est une dinguerie. Là, je suis d'accord. J'ai perdu au jour 2, les gars. Ah, c'est bon, ça fait beaucoup là pour moi. Il n'y a pas de trésor plus précieux que toutes les choses de ce monde réuni. Par contre, on risque de briser vos rêves. De nos jours, on y trouve surtout un labo de recherche. Et je vous préviens tout de suite, seules quelques personnes ont le droit de pénétrer dans le cratère de Paldea, et donc dans la zone 0. Alors inutile de partir en mode trop bien, je vais aller chercher le trésor parce que ça n'arrivera tout simplement jamais. Et même si c'était possible, vous pouvez être sûr que je serai la première à y aller. Non, je te débunk, cher avant toi, je te débunk. Moi aussi, j'ai perdu dès le premier jour. Non, les mecs. Des soldats tombés au combat. Ah, mais voilà, les frères, vous abusez. Vous abusez. Ah, vous êtes bancal, vous êtes bancal. Après, ça parle de moi, vous êtes bancal. Vous êtes giga bancal. Bancal. Oh là là, je vois qu'il est déjà, j'ai encore trop parlé, moi. Ce serait tout pour aujourd'hui. La prochaine, on démêlera l'histoire. Bon, ouais. Faire les cours sur d'histoire, tu auras des légendaires. Ah ouais? Bah, vas-y, on continue le cours d'histoire. Hein. Continue le cours d'histoire. Hein. On est des soldats bancal. Des soldats bancal. Quelles sont, du coup, histoire 2. On va commencer, mais vous rendre sans plus tarder. Ok. C'est vrai, mais on aura vraiment des légendaires, genre. Bonjour les enfants, alors vous sentez plus instruits qu'hier? Pas de temps à perdre, on va continuer à démêler les mystérieux passionnants de l'histoire. Il y a environ 2000 ans, l'argent de Paldea était contrôlé par un empire. Les historiques décrivent que l'empereur de Paldea était un dictateur sans merci. Soldat bancal et fier de l'être. Voilà les mecs. Voilà. Notre team sera la team bancale. Voilà comment on va l'appeler. Il croyait fermement à la légende du trésor au fond de la zone 0. Évidemment, il faut bien vous rappeler que la civilisation de nos ancêtres n'était pas aussi avancée que la nôtre. C'est pour ça qu'ils avaient tendance à croire que tout ce qui dépassait leur entendement, comme les légendes de la magie, l'empereur a donc envoyé ses hommes dans la zone 0 en espérant y trouver le trésor. Le but, c'était de devenir une puissance capable de tenir tête au pays voisin. Donc Kalos. Pierre, tant mieux, les mecs. Disons pour toi, Izuki. Désolé, il faut croire que tu feras toujours mon gars au mauvais moment.
règne de l'Empire de Paldéa, ça a déjà commencé il y a combien d'années? Il y a environ 2000 ans. Bah ouais, c'est exactement ça, tu écoutes bien mon cours, ça me fait plaisir. Oh! Peut-être qu'elle va me prendre pour des cours particuliers, les mecs! En vrai, il y a le book du Légende d'Archivis derrière. J'ai pas vu. Ah ouais? Il m'a fait passer au barbecue, comment elle est rouge comme ça? Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas à être rouge comme ça. Il n'y a pas à être rouge comme ça. Ce voyage était trop dur. Ou alors, ce qui est sûr, c'est que ces expéditions insensées au cratère ont renforcé l'aura de mystère qui l'entoure. Ah, j'aurais tant aimé visiter la zone 0 à cette époque avant la construction du labo. Ah, sur l'écran. Ah ouais! Eh mais oui, c'est le professeur. C'est le professeur Bancal! C'est le pire professeur toute compétition confondue. Hein. Réellement, c'est le professeur le plus bancal du monde. Il est sympa! Hein. Il est bancal à chaque fois, il m'invite à manger, le frérot. C'est comment? Oula, je vois que. C'est vrai! Donc pour aujourd'hui, on continuera à me parler de ça la prochaine fois. Et mec, moi, je veux mes légendaires. Il y a combien de cours d'histoire, même? Et d'ailleurs, j'ai pris un thé au début. C'est un thé froid, maintenant. Le live, il m'a tellement absorbé que, genre, en mode, vraiment, le thé, il est devenu froid. Je suis bancal, Xenos. Il y a 25 cours d'histoire. Non, 25! Oh! Bon, les mecs, c'était Izuki, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Allez, ça, un like, pouce bleu, commentaire, on se retrouve pour le prochain épisode. Bye tout le monde!